Bonjour et bienvenue dans la Minute Vitalité de jeclicnaturel.be. Maintenant, vous connaissez le principe. Une question, une réponse saine et naturelle de Laurence, coach en alimentation saine. Aujourd'hui, alors là, j'ai un super légume. Il est vraiment beau. Un navet, quoi. Un navet, voilà. Super navet. Et alors, aujourd'hui, la question, c'est faut-il toujours éplucher ses légumes ? Ah oui, on profite d'avoir un navet juste fantastique. C'est pas tous les jours qu'on a ça dans son panier bio. Pour éclaircir un petit peu cette question récurrente. Alors, en principe, quand le navet ou les légumes sont de bonne qualité, c'est-à-dire sans pesticides, sans additifs, sans intrants chimiques, enfin naturels, quoi, on pourrait se dire on ne les épluche pas parce que les vitamines sont principalement contenues dans la peau, ouais. Ainsi que les fibres, etc. En plus, ça fait gagner beaucoup de temps. Cependant, parfois, ça peut être intéressant d'éplucher certains légumes. Évidemment, les patates, par exemple, les patates douces. Là, on va éplucher presque à chaque fois, sauf les patates nouvelles. Voilà. Parfois, ça, on peut aimer aussi le goût et c'est un super bon petit goût. Mais sinon, globalement, on n'est pas obligé d'éplucher les légumes, sauf si on a des sensibilités intestinales. Donc, c'est souvent à cause des fibres qui sont contenues principalement dans la peau des légumes que certaines personnes ont des problèmes digestifs quand ils commencent à manger beaucoup de légumes. Surtout que si avant, ils n'en mangeaient pas beaucoup, d'un coup, ils mangent beaucoup de légumes sans les éplucher parce qu'on leur a dit « c'est fantastique, tes légumes sont bio, surtout ne les épluche pas ». Et donc, ils mangent beaucoup de légumes sans jamais les éplucher et sans avoir les intestins préparés à ça. D'accord. Et parfois, ça peut poser des problèmes. Donc finalement, la réponse, elle est double. Bah oui, c'est pas très... C'est clair, mais c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont bio qu'il faut pas les éplucher. Et c'est pas parce que ils sont, mauvais qu'il faut les éplucher non plus. Ouais, hein. D'accord. Bon, évidemment, s'ils sont pas bio, c'est aussi dans la peau que les pesticides vont s'agglutiner. Donc là, c'est presque un must de les éplucher. Ouais, ok, ça va. Je pense que c'est clair. Je pense aussi. Okay. Sinon, vous nous écrivez et vous posez des questions. Oui, parce que en haut ou en bas de la vidéo, je le répète à chaque fois, il y a un petit lien qui vous emmène vers un formulaire sur lequel vous pouvez nous poser des questions. Donc si ça, c'était pas assez clair ou si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas. On sera ravis de répondre dans une prochaine vidéo. À très bientôt, naturellement.